l'histoire de la cartographie est assez simple. La première mise en forme d'une carte, environ 150 ans après Jésus-Christ, c'est Ptolémée. Une carte dont la précision est plutôt aléatoire, mais qui permettait quand même de relier une ville à l'autre. Ensuite, on fait un grand bond jusqu'au Moyen-Âge avec les Portulans. Les Portulans étaient des cartes qui représentaient principalement les côtes, grâce aux navigateurs et aux explorateurs qui sont à l'origine de toute la cartographie. Un peu plus tard, c'est un Portugais, Pedro Nunes, qui a imaginé un système de projection, c'est-à-dire essayer de représenter un globe sur une surface plane, la planimétrie. Et puis, entre 1560 et 1620, Jean Picard découvre le système de la triangulation qui va permettre d'affiner un peu la carte de France. La triangulation, c'est trois points qui permettent, avec des distances égales, de positionner des points remarquables. Et une centaine d'années après, le père et le fils Cassini vont créer les cartes que finalement nous avons aujourd'hui. Donc on passe des cartes de Cassini aux cartes d'état-major, puis des cartes d'état-major aux cartes que nous avons à l'heure actuelle, produites par l'IGN, dont la précision n'est plus à démontrer. Alors maintenant que nous avons vu tout l'historique de la cartographie, on va essayer de comprendre comment les cartes sont conçues. Et elles sont conçues sur des bases assez simples. Alors d'abord, il faut imaginer le globe, comme ça. Ce globe terrestre, il a un axe nord-sud, classiquement représenté par les pôles. Et par cet axe nord-sud passe ce qu'on appelle des méridiens. Et ces méridiens, ce sont des cercles qui passent par les deux pôles. On en a 24. Et ces cercles-là vont nous donner ce qu'on appelle la longitude. Le méridien d'origine et le méridien de Greenwich. Mais qui a défini ce méridien de Greenwich ? Eh bien, il y avait donc deux peuples marins à l'époque, qui étaient les Anglais et les Portugais. Et c'est les Anglais, puisque Greenwich était une ville d'Angleterre, qui sont à l'origine de ce méridien. Ensuite, nous avons le parallèle d'origine, qui est l'équateur. Toutes les lignes parallèles à l'équateur se nomment tout simplement des parallèles, le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, etc., etc. Ces méridiens et ces parallèles vont servir à nous situer sur une carte. Au niveau de la longitude, c'est-à-dire des méridiens, on se situe soit à l'est, soit à l'ouest du méridien de Greenwich. On ne peut pas être à plus de 180 degrés d'un côté ou d'un autre, puisque le méridien faisant le tour, on va s'arrêter là. Et au niveau de la latitude, l'équateur est notre latitude de base. On est soit au nord de l'équateur, soit au sud de l'équateur, et on va de 0 degré à 90 degrés, qui est représenté par le pôle nord, et de 0 degré à 90 degrés, représenté par le pôle sud. Pour comprendre comment fonctionnent les cartes, on va redessiner un globe. Et sur ce globe, toujours notre axe nord-sud. Si on a le nord ici, c'est qu'on a à la fois 0 degré et en même temps 360 degrés. Tu es d'accord avec moi? Le sud, 180 degrés. L'est, 90 degrés. Et l'ouest, 270 degrés. Mais sur les cartes, il est indiqué également les coordonnées en grades. Il se trouve que c'est un système de conversion assez simple, puisque c'est un système centésimal, les unités de 1 à 100, alors que pour les degrés, c'est un système sexagésimal, ça veut dire sur 60. Une minute fait 60 secondes. On a donc 0 grade ici, et on a 400 grades. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 90 degrés, on a 100 grades. Au lieu d'avoir 180 degrés, on a 200 grades. Et au lieu d'avoir 270, on a tout simplement 300. D'accord ? L'axe nord-sud, toujours représenté par le méridien d'origine qui est le méridien de Greenwich, et l'équateur qui est le parallèle d'origine. Nous, Français, on est à peu près ici, d'accord? Ça veut dire qu'on est à la latitude à peu près 45 degrés, à peu près. Hein, la latitude 45, c'est environ Montélimar, enfin c'est dans ces coins-là en France. Ces 45 degrés, sur les cartes, ils sont indiqués. Mais ils sont indiqués aussi les kilomètres, car nous avons des coordonnées géographiques et nous avons des coordonnées kilométriques. On part du principe que le globe fait 40 000 km. Si tout le tour fait 40 000 km, entre l'équateur et le pôle, on a combien de kilomètres? Bah 10 000. Donc, nous qui nous situons au milieu, 45 degrés, nous sommes environ à 5 000 km de l'équateur. Et ça nous donne donc la latitude. Et en longitude, eh ben, nous sommes entre 2 et 6 degrés du méridien d'origine, qui est le méridien de Greenwich. Donc grosso modo de 200 à 1200 km de longitude est. Alors, comme nous l'avons vu au cours précédent, sur les côtés des cartes, nous avons des chiffres avec des amorces de quadrillage. Tu vois ces chiffres-là, donc le 2360 ou 925, ce sont donc des kilomètres. Kilomètres d'un système de cartes de projection fait par un géographe français qui s'appelle Lambert. La France a un système qui lui est propre de projection pour avoir une fabrication de cartes la plus précise possible.
quand tu imagines le globe et la France, bien sûr, Lambert, pour avoir de la précision, a imaginé un système de projection conique. Ça veut dire que tu imagines un axe qui est Nord-Lambert, à peu près au centre de la France, et une lumière qui éclaire le globe, donc là en l'occurrence la France. Et cet éclairage va nous permettre d'avoir une représentation précise de la France à cet endroit-là. Mais comme ça ne suffisait pas, parce que la France est assez longue, il a fallu faire des cônes différents, situés à des hauteurs différentes, pour avoir une tangence différente. Et Lambert a ainsi découpé la France en quatre zones. La zone 1 représentant grosso modo le nord, la zone 2 le centre de la France, la zone 3 le sud et la zone 4 la Corse. Mais c'était pas très pratique d'avoir quatre zones, donc ensuite il a pris la zone 2, qui est la zone grosso modo centrale, il l'a étendue vers la zone 1, vers le nord, la partie nord, et il l'a étendue vers le bas. Et sur les cartes, en bleu aujourd'hui, tu trouves la zone 2 étendue. Pour comprendre comment on arrive à cette précision, on va tout simplement dessiner la France. Hein, comme ça. Toujours le nord Lambert. Et les projections vont nous donner une représentation de la France, comme ça. Et cette représentation que je viens de te faire, en fait, tu la retrouves sur la carte. Tu vois, ici, le 2358. Quand tu continues, tu vois ces petites croix qui sont ici. Et bien, en fait, elles définissent ce quadrillage Lambert qui fait donc 1 km sur 1 km, d'une petite croix à l'autre, et qui va te permettre ensuite de donner un point de rendez-vous, de te situer sur la carte. Alors, il y a des chiffres intérieurs et les chiffres extérieurs, ils correspondent à quoi? Alors, les chiffres extérieurs correspondent à un autre type de projection internationale qui s'appelle UTM, Universal Transverse Mercator, qui a permis de cartographier, grosso modo, l'ensemble de la Terre ou presque. Contrairement à tout à l'heure où nous avons vu un système de projection conique, c'est une projection cylindrique. C'est-à-dire que tu imagines que le globe, au lieu d'éclairer par le haut, on le fait rentrer dans un cylindre. Et ce cylindre, on va le déplacer horizontalement, c'est-à-dire que le globe va tourner, hein, d'accord, et va nous définir 60 zones précises, puisque ce sont les zones de contact avec le cylindre, qu'on appelle des fuseaux, et ce sont ces 60 fuseaux qui vont nous permettre d'avoir une précision correcte sur l'ensemble du globe. C'est donc ça le système UTM, et c'est ce système-là qui va nous donner la base du système GPS, que nous allons voir maintenant. Sur les cartes modernes éditées par l'IGN, et surtout le cadre extérieur, il y a encore quelques indications, mais beaucoup moins qu'avant. Par contre, sont mises en avant donc les coordonnées GPS. C'est un quadrillage bleu, kilométrique. On est sur la région ici en Bourgogne. On a donc la coordonnée 592 km du méridien de Greenwich et 5211 km de l'équateur. Les lignes horizontales et verticales forment des petits carrés d'un kilomètre sur un kilomètre sur lequel il est facile de se situer et de préciser l'endroit où on est. L'autre avantage est quand on utilise pour randonnée soit un GPS, soit une application, on va pouvoir très précisément se situer soit en coordonnées kilométriques, soit en coordonnées géographiques, les coordonnées géographiques étant les données en degrés ou en grades. Donc maintenant qu'on a vu comment était conçu ce quadrillage GPS, ça va nous permettre de localiser un point de rendez-vous. Donc si on prend par exemple le petit passage entre ces deux bois, première chose à rechercher, sur la ligne verticale, combien de kilomètres? 599 km. Donc je suis entre le 598e km et le 600e. Et sur la partie horizontale, je vais sur le bout de ma ligne, 5210 km, donc je suis au-dessus de 5210 km. Et soit j'ai un petit carré comme ça que j'ai fabriqué moi-même, que j'ai à la main, ou sur les boussoles, il existe des petits carrés comme ça, quadrillés de 100 mètres en 100 mètres, que je vais donc superposer sur le carré formé par le quadrillage GPS, et je n'ai plus qu'à additionner mes mètres. Donc j'ai 599 km, plus 100 mètres, 200 mètres, 350 mètres, et sur la partie horizontale, 5210 plus 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Donc si je donne ces deux coordonnées, la personne qui me cherche, ayant les mêmes moyens ou un GPS, etc., va le retrouver. Alors maintenant, Isabelle, on va regarder toutes les méthodes qui nous permettent de donner un point de rendez-vous. D'accord? Donc on va se mettre un peu plus côte à côte pour qu'on puisse bosser. Eh bien écoute, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire la localisation d'un point de rendez-vous par recoupement. Alors recoupement, c'est recoupement d'informations entre toi
et la personne avec qui tu as un rendez-vous qui n'a pas forcément une carte à la même échelle que la tienne. Il faut donc que tu lui donnes des informations qu'il pourra trouver sur sa carte. Alors tu vois, sur ce petit point de rendez-vous, par exemple, on va prendre ce croisement, quelles sont les informations qu'on peut lui donner? D'abord, nous sommes sur les départementales 278, à peu près à égale distance entre les villages de Saumans, celui de Reclaim et celui de Tavernet. Et nous sommes au croisement de la route qui va de Tavernet à Reclaim et de Saumans à Reclaim. Mon interlocuteur, ayant lui une carte au 1/250 000e, pourra nous retrouver sur sa carte. Même si l'échelle est toute petite, les informations qu'on a sont quand même la présence des trois villages, le village de Saumans, celui de Reclaim, celui de Tavernet, la départementale 278, ainsi que le croisement entre les deux routes. Il en sera le même si nous sommes dans un bois, on va partir d'un sommet, d'une église ou quelque chose, que la personne pourra situer sur une carte. Ce sont les mêmes sur toutes les cartes. Ce sont les mêmes sur toutes les cartes. C'est la méthode par recoupement. Maintenant, on va voir une autre méthode qui est une méthode par rayonnement. Où on a un compas, qui est quand même assez rare quand on est à cheval. Si tu n'en as pas, tu prends une petite ficelle, tu prends un point remarquable, comme un village, comme une église, et tu vas tout simplement tracer un arc de cercle entre ton point remarquable et l'endroit où tu es. Tu vas mesurer la distance. Ma distance entre mon point remarquable de Saumans et ma courbe est de 10 cm. Donc 10 cm, ça fait 2,5 km. Après, tu prends un deuxième point remarquable. Là, nous allons prendre l'église de Reclaim, et je vais faire mon cercle pareil, qui part toujours par mon point. Ensuite, je mesure. J'ai 8 cm, donc 2 km, merci. Mais mes deux arcs vont se croiser en deux points, dans le secteur nord et dans le secteur sud. Donc je précise à mon interlocuteur que je suis au rayonnement sud, donc de Saumans, 2,5 km, et de Reclaim, 2 km. Et mon interlocuteur va me trouver à l'endroit où les deux courbes se croisent. Alors ensuite, il y a une autre méthode, qui est déjà un tout petit peu plus complexe, qui permet de donner un point de rendez-vous par triangulation. La triangulation, c'est quoi? C'est que depuis un point où je suis, je vais avoir trois points remarquables, une église, un sommet, une maison, quelque chose, depuis lesquels je vais mesurer un angle vers moi, ou en direction duquel je vais mesurer un angle, de façon à ce qu'un croisement des droites qui vont être définies par ces angles, on puisse se retrouver. Et je vais donner ces informations-là à mon interlocuteur, qui lui, en faisant la même chose, va pouvoir me situer. Si je prends l'exemple, nous voulons nous retrouver ici, tu vois, au bord du petit plan d'eau qui est là. Il faut trouver trois points remarquables visibles. Qu'est-ce que je vois? L'église de Saumans. Donc, en partant de l'église de Saumans, toi, si je mets mon rapporteur entre l'église de Saumans et l'endroit où je suis, j'aligne mon nord, puisque le haut de la carte est égal au nord géographique, hein, et là, je vais avoir un angle de 150 degrés. Ensuite, je vais prendre un deuxième point remarquable. Je vais prendre, par exemple, la ferme de La Roche, qui est ici. Je fais la même chose, je mets une ligne droite entre ma ferme et mon point, que je vais tracer comme ça, pour avoir un exemple. J'aligne le nord de la carte en même temps que le nord de ma boussole. Le cadre de la boussole me sert de rapporteur. Et je vais chercher, dans mon alignement, à combien je suis. Et en l'occurrence, mon angle, là, il est de 64 degrés. Deux droites, c'est un petit peu juste. Mon triangle d'incertitude est un petit peu grand. C'est mieux de prendre un troisième point. Donc, je vais prendre la ferme de la Chaume. Et depuis la ferme de la Chaume jusqu'à mon point, j'ai 320 degrés. Maintenant, mon travail est fini. Mon interlocuteur, prenant les trois mêmes points remarquables, il va tracer les trois droites. Si c'est parfait, ils vont se croiser au même endroit. Et avec le petit doute, ils vont me créer un petit triangle d'incertitude dans lequel je serai. C'est la méthode par triangulation. Bien évidemment, là, nous sommes partis de trois points remarquables et on a trouvé des azimuts qui arrivaient sur ton point de rendez-vous. Mais tu peux faire l'inverse. C'est-à-dire, toi, tu es quelque part, tu vas viser avec ta boussole des points remarquables et ton angle sera juste différent de 180 degrés. Par exemple, nous avions entre l'église de Saumans et ton point de rendez-vous un angle de 150 degrés, mais quand tu es sur ton point de rendez-vous, l'église de Saumans est à 330 degrés. Il y a 180 degrés d'écart. Il existe donc encore une méthode, bien entendu, qui est assez simple et précise, qui est la méthode par relèvement. C'est très simple, une distance, un angle. En l'occurrence, point de rendez-vous, par exemple, à la ferme de la Mézière, on va repartir de l'église de Saumans pour simplifier les choses. On trace une droite qu'on mesure, 45 mm. Donc ça me fait 1 km et 125 mètres. Et je mesure mon angle qui est de 90 degrés. C'est assez facile.
Alors maintenant, on va voir encore une méthode de localisation d'un point de rendez-vous. Celle qui est un petit peu la plus compliquée, mais qui se recoupe très bien avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui, les GPS, les téléphones, etc. Il s'agit d'obtenir des coordonnées géographiques qui, elles, sont exprimées en degrés, en minutes et en secondes. Alors, elles sont toujours sur le cadre extérieur des cartes. Donc, il faut trouver les embases. Et là, par exemple, ici, tu peux lire 4 degrés 15 minutes, 4 degrés 20 minutes. C'est le cas pour la partie ici, qui est la partie longitude. Et c'est le cas également sur le cadre à droite pour la partie latitude. On va mesurer la distance de cette échelle entre deux données qui ont été indiquées, là en l'occurrence 4 degrés 15 et 4 degrés 20. Et là nous avons 252 mm. En 252 mm, on a 5 minutes. Donc ça veut dire que si on a 5 minutes, on a 5 fois 60 secondes. Donc on a 300 secondes. Il est important de toujours ramener à la même unité. Donc on pose notre opération. 252 mm amène à 300 secondes. Et puis ensuite, on cherche les coordonnées de la croix verte. Donc je vais tracer une droite entre la croix verte et le cadre de la carte, qui me fait tomber ici. Je vais remesurer ma distance entre les 4 degrés 15 et l'endroit où mon trait a coupé, qui est de 207 mm. Et je n'ai plus qu'à faire ma règle de 3. Ma règle de 3, j'avais 252 mm qui me donnait 300 secondes. Combien vont me donner 207 mm? Je multiplie 207 par 300, je divise par 252 et je vais retrouver 174 secondes. Ces 174 secondes, je vais les ajouter à mes 4 degrés 15 minutes. Or, 174 secondes, ça veut dire 2 minutes et 54 secondes, et ça nous donne donc 4 degrés, 17 minutes et 54 secondes. Et là, j'ai ma coordonnée en longitude. Ensuite, il faut faire le même travail sur le côté de latitude. Donc, je mesure la distance entre les deux points identifiés sur le cadre en degrés. Elle n'est pas la même, hein. La distance mesurée en degrés en longitude, la distance mesurée en degrés en latitude n'est pas identique. Donc je la mesure et on tombe sur 370 mm. Sur ces 370 mm, il y a également 300 secondes. Ensuite, par rapport au point qu'on recherche, on remet une droite qui passe sur le cadre et on va remesurer et on tombe sur 350 mm. Donc en 350 mm, combien je vais avoir de secondes? Je fais le même rapport de 3. 350 que je multiplie par 300, que je divise par 370, ça me donne 283 secondes que je vais diviser par 60 et je vais pouvoir trouver mes coordonnées qui sont là en l'occurrence de 47 degrés, 14 minutes et 8 secondes. Et sur les outils numériques, on va pouvoir avoir ce point-là exactement. Donc maintenant qu'on a vu les coordonnées géographiques en degrés qui sont finalement les coordonnées GPS, ça va nous permettre de regarder comment fonctionnent toutes les applications qui existent et qui vont nous permettre de nous orienter. Pour ça, on va juste se déplacer pour avoir la 3G, pour télécharger les fonds de cartes, sachant qu'une fois que tu seras en randonnée, tu peux très bien ne pas avoir de réseau. C'est le réseau GPS qui va faire fonctionner nos applications et non le réseau téléphone. Très bien. On y va ? Alors maintenant, on va parler de l'ensemble des applications qui vont nous permettre d'utiliser tous les smartphones ou tablettes pour pouvoir s'orienter. Il y en a une dizaine dans le commerce qui sont disponibles, on ne peut pas les citer ici, dont le tarif est entre 2 et 20 euros, plus ou moins performantes, mais toutes ont la même fonction. Leur première fonction, c'est une fonction GPS, c'est-à-dire qu'elles vont te situer. Ensuite, on va pouvoir enregistrer l'itinéraire que l'on fait. Ça va te donner la distance, le dénivelé, etc. On va pouvoir tracer un itinéraire. Et on va pouvoir communiquer cet itinéraire à d'autres personnes. Alors, je vais déjà te montrer trois applications un peu au hasard pour que tu comprennes qu'elles ont toutes les mêmes fonctions. Déjà celle-ci, d'accord. On est tout de suite situé à l'endroit correct. Le petit point rouge nous indique où on est, sur un fond de carte au 25 millième. Ensuite, par exemple, une application que j'utilise plutôt à l'étranger, mais qui fonctionne bien, celle-ci. Alors là, on n'est pas situé parce que ce n'est pas le même pays, mais on a à peu près la même échelle. Et puis une troisième application, par exemple celle-ci. Hop, on est à nouveau sur une carte au 25 millième en étant situé immédiatement sur la carte. Le fond de carte que tu as est évolutif. C'est-à-dire que tu peux l'agrandir jusqu'à la photo aérienne, mais tu peux également diminuer pour avoir quasiment une carte routière que tu pourrais communiquer à ton assistance ou au secours. Alors, une fonction que possèdent aussi toutes les applications et qui est intéressante, comme on l'a vu dans le cours précédent, quand tu t'orientes avec une carte, tu superposes toujours
la représentation sur la carte du chemin au chemin dans la réalité. C'est-à-dire que la carte est toujours orientée. C'est la même chose avec l'application. La carte s'oriente de la même façon. C'est-à-dire que quelle que soit la position de ton téléphone, ta carte va être orientée. Autre petite fonction qui peut te rendre service, c'est également situer un point. Quand tu as un point remarquable, un point d'eau ou quelque chose, tu peux mettre une petite balise de positionnement qui vient se placer à l'endroit où tu es. Le point est localisé. Ensuite, autre fonction intéressante, tu vas pouvoir enregistrer ton parcours. Au moment où tu pars, tu appuies tout simplement sur enregistrer, nouvelle trace, et c'est en train d'enregistrer. Mais tu peux également tracer ton parcours avant de le faire. Tu appuies ici, nouveau tracé, tu as ton fond de carte et tu vas pouvoir, avec ton doigt, suivre la petite croix qui va tracer ton parcours. Et, chose intéressante, tu vas pouvoir également envoyer ce parcours à quelqu'un. Soit par mail, ce qui est plus facile, et éventuellement par copie d'écran. Donc tu vas le chercher dans la liste. Voilà, par exemple celui de cette date-là. Ça va te donner le temps que tu as mis, les kilomètres que tu as fait à vitesse dénivelée. Tu mets exporter. Et là, ça va t'ouvrir ta boîte mail. Et tu vas indiquer l'adresse mail de la personne à qui tu veux l'envoyer. En l'occurrence, je vais t'envoyer sur ton téléphone, que tu vois que ça marche. Donc j'ai enregistré ton mail, c'est plus simple. Hop, j'envoie. Donc toi, bah, tu as dû le recevoir ou tu vas le recevoir. Et on va voir comment il s'ouvre. Donc tu ouvres ta boîte mail. Voilà, elle est là. Tu ouvres la pièce jointe. Et voilà, comme tu vois, immédiatement, dans l'application, le tracé apparaît sur ton écran. Et tu vois, si tu veux, tu peux agrandir l'échelle pour voir ton tracé le mieux possible. Et ensuite, tu peux communiquer ça à tes cavaliers, à ton assistance, et puis à des gens qui ont envie de randonner dans ta région. Parfait. Alors maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir quand même, c'est que nos téléphones n'ont pas des batteries suffisantes pour être en fonction GPS toute la journée. Donc c'est toujours sage d'acheter une petite batterie qui permet de recharger 3-4 fois le téléphone et de tenir une journée ou deux. Et il ne faut surtout pas oublier ce petit appareil classique qui est le GPS, qui réunit la plupart des fonctions que nous pouvons avoir sur les applications et qui, au sein de la Fédération, va développer de nouvelles fonctionnalités. Bonjour, je vais vous présenter GéoCheval, l'outil cartographique de valorisation des itinéraires équestres en France. La Fédération française d'équitation a souhaité mettre à disposition du grand public une bibliothèque d'itinéraires équestres. GéoCheval a été mis en ligne en juin 2017. Pour le consulter, il vous suffit de vous rendre sur geocheval.com. Sur cet outil, vous allez retrouver des itinéraires qui répondent à deux critères principaux. Le balisage sur le terrain, ainsi que l'inscription des chemins au PDIPR, le plan départemental des itinéraires de promenade de randonnée. Ces deux critères permettent de garantir la pérennité des itinéraires que vous allez pouvoir emprunter. Ces itinéraires sont transmis à la Fédération par les comités régionaux et départementaux de tourisme équestre qui travaillent en étroite collaboration avec les collectivités sur le territoire. Plus concrètement, quelles informations vous allez pouvoir retrouver sur GéoCheval? Donc tout d'abord, vous allez pouvoir consulter le tracé des itinéraires. Donc en cliquant sur l'un d'eux, vous allez pouvoir savoir s'il est plutôt praticable en attelage, à cheval ou bien les deux. En cliquant sur l'outil de gestion des couches, vous allez pouvoir afficher le type de revêtement pour savoir si vous êtes plutôt sur un chemin ou plutôt sur une route. Vous retrouvez sur GéoCheval également des points d'intérêt touristiques, des points de vue, des monuments, des sites de visite, des musées, mais également des points d'intérêt équestres. Tout ce qui va être aire de pique-nique, eau potable pour les chevaux, parking pour les vans et ou pour les camions, halte équestre. Vous y retrouverez également tous les établissements labellisés par la Fédération française d'équitation, à savoir les chevals étapes, les centres de tourisme équestre, les écoles françaises d'attelage ainsi que les écoles françaises d'équitation. Pour compléter la préparation de l'itinéraire de votre randonnée, vous pouvez afficher les points et zones de vigilance tels que la traversée d'un gué ou bien la traversée d'une route. Pour mieux appréhender les fonctionnalités de cet outil, vous retrouverez sur la page d'accueil de geocheval.com une vidéo tutoriel. J'espère que ce petit cours d'orientation en topographie vous permettra de progresser. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels du tourisme équestre de votre région.